de loin, vous voyez. Voilà comment on se provient en train de faire. Il a toujours des histoires. Avant de commencer mon discours, je vais me permettre, au nom de tous tes amis, de t'offrir ce petit souvenir. Voilà. Mon cher Pellegrin, mon cher ami, je te regarde. Je regarde ton admirable compagne, ta vieille et si douce maman. Je regarde tes adorables fillettes et qu'est-ce que je vois? Je vois l'image vivante du bonheur. Ce bonheur, mon cher Pellegrin, tu l'as bien mérité. Il est la juste récompense de ta ténacité, de ta fermeté. Ta vie tout entière est un magnifique exemple de volonté. Pellegrin, tu es un caractère. Que l'oiseau bleu du bonheur, comme l'a dit le poète, chante encore longtemps sous ton toit. En ce jour d'anniversaire, c'est notre souhait à tous. Je lève ma coupe à tes 45 ans. À votre santé. À ta santé. Heureux anniversaire. Mon cher Fonvieille, merci. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de mettre au point comme toi une belle improvisation. Je ne sais comment vous remercier pour ce magnifique portrait si ressemblant que vous m'avez offert. Ce geste délicat... Papa, on te demande, c'est pour un accouchement. Pour un accouchement dans un chou ou dans une rose? Il n'y a plus d'enfants. C'est pour toi, Nancy. Il faut que tu te dépêches parce que c'est très, très urgent. J'y vais, docteur. Je t'enverrai mon discours par la poste. En attendant, continuez à fêter mon anniversaire sans moi. Comment tu t'appelles, toi? Je m'appelle Justin. Je suis la fille de la garde barrière. C'est maman qui est avec toi, Ned. Et Octave? Octave, on ne l'a pas vu de la journée. Non, ça ne m'étonne pas, celui-là, un pilier de bistrot. Laissez-moi un morceau de gâteau, quand même. Oui, oui, oui.